Bonjour. Alors, vous savez que pour postuler à un emploi, il vous faut la plupart du temps rédiger une lettre de motivation. Donc, je vous explique un petit peu comment faire. Donc, à gauche de la page, vous allez écrire votre nom, prénom, adresse, téléphone et email. Sur la droite, vous allez écrire Madame, Monsieur le directeur, telle adresse. Et vous mettez la date et le lieu. Angers, par exemple, le 15 juillet 2023. Ensuite, objet de la demande. Candidature à un poste de... Bien. Et le contenu de la lettre. Madame, Monsieur le directeur, permettez-moi cette candidature dans votre association, dans votre groupe, dans votre entreprise. Je suis diplômée en patrimoine culturel, par exemple, et dotée d'une solide base théorique. Je m'épanouis dans des environnements dynamiques grâce à ma capacité à m'adapter et à résoudre des problèmes complexes pour atteindre les objectifs fixés. Je suis dotée d'un grand sens de l'organisation. Je sais m'intégrer sans difficulté dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit d'équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication. Éventuellement, j'ai obtenu la nationalité française le date. Me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les plus respectueuses. Vous signez? Pièce jointe, curriculum vitae.